Resident Evil. Oh oui. Oui, je n'aurais pas dit mieux que ce monsieur qui vient de dire Resident Evil. Allez, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue sur ma titi, on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play Live de Resident Evil, pardon. Code Veronica. Oui. Attends, je sais même plus où est-ce que je me suis arrêté. Je me rappelle plus. Ah, ça y est, oui. Oui, ça y est. Oh putain, il faut que je me mette sur les touches. Oh, c'est mieux, je suis mieux comme ça. Ah putain, il faut que je me rappelle les touches. C'est vrai, ça veut complètement zapper. Oui, ça y est, j'ai récupéré le truc et il faut que j'aille poser le. Putain, je suis interprète. Attends, est-ce que je l'ai sur moi? Yes, je l'ai. Du coup, on va déposer des trucs quand même. Ça. Voilà. Tac. Ensuite, ça pour l'instant, je sais pas si on a besoin. Ça, on n'a pas besoin. Voilà. Eh merde. Attends, comment on y joue? Ok, c'est bon. Ouais, parce que j'ai pas joué depuis. C'était quand le dernier live? Putain, il est là. Putain, mais il est teubé. Putain, je tire sur le mur. Ah, mais il y a une porte. Ok, je l'ai pas vu. Bonjour, effet profondeur, bonjour. Alors, je suis une vraie tapette. Parce que là, je l'explique. Je suis tout seul chez moi. Attends. Passe. Je suis tout seul chez moi. Dans mon petit appartement. Et comme vous le savez, d'habitude, quand je fais un live, je ferme les volets, je ferme la porte et tout. Mais il y a toujours quelqu'un chez moi. Là, la vraie tapette que je suis, c'est que je suis dans le salon. J'ai allumé le salon, j'ai rien éteint. Je suis même pas dans le. Tellement je suis une vraie tipette. Donc je peux éteindre un petit peu parce que là il fait encore jour et que j'ai pas fermé les volets. Ok, donc c'est vers la bonne porte. C'est vrai qu'il est impossible de l'ouvrir. Putain, ça a pris. Je suis obligé de passer par derrière. Juste que je suis en train de parler, je suis même pas sur mon temps. L'horreur, tu sais que ça. Ah, vite. L'horreur, c'est mon temps. Non, c'est bon. On va attendre un peu. Vite. Là. Oh putain. Oh oui, j'ai réussi. Là c'est bon, on m'entend. Je suis désolé si vous avez entendu le retour. Attends, mais du coup, c'est. Ah, là. Mais non, mais lâche-moi. C'est là. Mais non, mais lâche-moi, attention. Ah, ça l'a pris. Voilà. Faut que j'arrive à rentrer quand même jusqu'à la machine. Là. Je vais juste regarder. Tu vas voir. Non, ça va. Pierre, j'ai un spray, mais bon, vous me gardez. Vous me gardez parce que pour l'instant j'ai pas eu de grosses difficultés, hein, franchement. Je le dis, mais pas eu de grosses difficultés. La seule fois où je suis mort, c'est juste connement. Ah, ça va être. Ah, c'est pas bon. Mon ordinateur rame un peu, mais là c'est un peu normal vu que je suis loin de ma box. Mais pour vous expliquer, j'ai dû acheter un autre câble d'internet parce que vous le savez, ma PS4 est tellement gourmande sur Wi-Fi que j'avais dû acheter un câble Ethernet pour le brancher de ma chambre jusqu'à la box qui est même pas 5 mètres. Sauf que le câble étant trop court
puisque j'ai réussi à faire tomber la box le premier soir, c'est génial. J'ai dû aller en racheter un autre. Du coup, j'en ai pris un de 30 mètres. Du coup, il y a un gros fil qui traîne par terre dans tout l'appartement. Voilà, il y a un fil qui traverse tout l'appartement. Tout ça juste pour brancher Evasion. Je les ai mis. Donc, je peux. Ah putain. You must be the lovely Claire Redfield. Who are you? She's very. Let's just say that I'm a ghost coming back to haunt your dear brother. Whisker? It seems there's not much explaining to do, is there? I was the one who attacked this island. Who'd have thought you'd be hanging about? All the better for me. Now that the cat dragged in this nice surprise, your ever so caring brother will definitely show up. I must thank you for being such good bait. I don't know what went on between you two, but you have him all wrong. My brother is not the kind of person you think he is. I despise Chris. What are you gonna do to him? Oof. C'est quoi cette jouissance qu'on entend? Oh, how your brother will weep to see you die. What? What is it? Stay there. I'm coming. Il peut faire. Poum! Allez, dans la bouche. It appears you may be of some further use to me. I'm going to let you live a little longer. D'accord, j'avais déjà quelques cassés, mais c'est pas grave. Du coup, on a trouvé notre ami Albert Wesker, ce qu'on pensait qu'il était mort dans le premier épisode, alias l'Albert que j'ai fait, je me rappelle. Et non, en fait, il est toujours vivant, et en fait, c'est l'antagoniste d'une grande partie de la saga. En fait, c'est lui qui... Ah non, je me connaissais. Attends. Vas-y, viens par là. Allez, viens voir maman. Ne me quitte pas, voilà. Ah là, je l'avais éliminé déjà. Non. Voilà. Et là, c'était trop près de... C'est trop près pour que je puisse le mettre à... Pour que je puisse esquiver. C'est dommage parce que du coup, les balles, je les économise pas, quoi. C'est chiant. J'ai réussi au début à économiser les balles et maintenant je gaspille. Je gaspille. Allez, je sens, on va peut-être le mettre. Tac, comme ça. Un peu. Petit sauvegarde, mais ça fait que 9 minutes de jeu, mais c'est pas grave. Donc ça serait Albert Wesker qui attaque les micros, il attaque. Ce que je comprends pas, c'est qu'en fait il a tous les pouvoirs des expériences faites par Umbrella Corporation, mais pourquoi il essaie de détruire Umbrella? J'ai jamais compris ça moi en fait. Parce que oui c'est ça en fait, il détruit Umbrella Corporation. Même dans le film, c'est lui l'antagoniste principal des 5-6 films je crois. On a plus combien là. Non. Je crois qu'il y en a 6. Alors, c'est pas là. C'est là, c'est celle-là. Voilà. Et on va aller jouer du piano. D'où le titre 4 mous sur un piano. 4 mous sur un piano. Ce qu'elle a laissé, 4 c'est d'autant de trop, je sais compter.
Quatre bananes, le musée, dénouement funeste. Trois mois de qui s'en vont, ça fait moins qui reste. Merde, c'est pas là. Ah, putain, c'est où? Bah merde, c'est où déjà? Ah putain, j'étais sûr et certain que c'était là. Ah, c'est en haut. Putain, c'est vrai, j'ai oublié qu'il y avait en haut. Oh là là, je me suis trompé de ça. Là. Je me suis pas trompé d'un endroit, c'est bien le manoir. Hein, mais ah putain, je me rappelais plus que c'était en haut. En quoi, quand ça fait 3 jours que j'ai pas touché au jeu, j'ai du mal à me rappeler où c'était. Là, ah, c'était au manoir, ça c'est sûr. Après, c'est en haut. Et oui, que j'ai utilisé la clé, putain, je suis bête. C'est la fatigue. Faut savoir que je viens de finir un mois de centre aéré de dingue. C'était très 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 dur. Donc là, c'est ça fait depuis 4 heures que je suis en vacances. Donc voilà, c'est... C'est là, voilà, c'est là. Là, il y aura peut-être un deuxième live un peu plus tard dans la soirée. Tac, un vieux piano mécanique qui fonctionne avec papier. Eh ben, mets-le, petit forêt. Putain, c'est quoi ça encore? Ah, ça bouge. Ah non, ça bouge. Putain. Allez, prends-le. Scarabée. Prendre roi des fourmis. Le roi des fourmis. Je comprends pas trop. Un bijou en forme. Fourmis. Ah, ok. Ah, ça y est, j'ai compris. Allez. Voilà, pas besoin de sauvegarder parce que je viens juste de le faire donc. Si je meurs, c'est qu'il faut que j'aille juste en face et tout. C'est très con. Ah putain, c'est vrai, les escaliers. C'est vrai que je suis à l'ancienne. En tout cas, ça, sur grand écran, ça passe bien. Mine de rien... Bon, malgré qu'il y ait le truc sur le côté, parce que oui, comme j'avais expliqué, j'ai... Le live, des fois, ça marche pas. Donc soit les commentaires ne s'affichent pas, soit ben, c'est un bug de Twitch. De Twitch, donc je ne sais pas d'où ça vient. Donc là, vous voyez par exemple, je sais qu'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo, mais je ne sais pas si c'est moi, puisque je suis connecté sur... Putain, mais c'est saleté. Mais j'ai pas tué, lui. Je sais pas si c'est moi, parce que je suis connecté et je me vois en direct, mais je n'ai pas la vidéo parce que je suis trop loin de ma connexion. Voilà. Donc, je sais pas si c'est moi ou si c'est quelqu'un qui regarde la vidéo. Voilà. Ça va, par contre, c'est un peu bizarre, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai l'habitude et puis je me régale quand même. Même si je suis tout seul, je me régale, je suis là, je suis bien. Je papote, je commente, le temps passe. Je me régale. Alors, putain, c'est dégueulasse. C'est pas du tout accueillant. J'avais pas parlé de vacances. Ah, putain, vite. J'ai rien. Putain. Oh mais merde, j'étais pas avant, putain. Allez, c'est le jeu d'esquive. Putain, j'écris la musique des exorcistes. Ah, j'ai un petit peu quand même la musique des exorcistes. Mais non, mais t'es sérieux. Attends. Oh, avec un peu de Castlevania quand même dedans. Putain, mais quand si je dois... Allez. Mais c'est la fête! Allez, vous allez voir, il y a une chance sur deux que je me trompe de porte. Putain, mais même là, il y a un zombie, mais t'es sérieux? Ah non! Oh putain! Mais non, mais il y en a un deuxième!
Mais je tire à côté. Voilà, par contre, faut utiliser ça. Putain, mais il m'a mis 3 zombies. J'utilise des munitions, ça saoule. Non, il n'y en a pas un. Il n'y en a pas encore un autre. Eh hey, mais le viol c'est interdit hein. C'est bon, faut arrêter un peu. Faut arrêter à chaud. Alors. Et je me suis trompé de porte. Je l'ai dit, une chance sur deux que je me trompe de porte. Je suis sûr que c'est là. C'est là, la porte d'après. Parce qu'après je vois pas où. Parce que j'ai tout fait donc je vois pas. Putain, c'est poupée les flippantes. Putain, mais il est où? Je l'entends. Il est là. Allez, viens voir papa. Il est touché. Non, là, je sais pas. Voilà. Regarde-moi, j'ai plus de balles. Putain, il me reste 68 balles, j'en avais presque 200. Juste avant que je fasse la... Juste avant que je fasse le custom, j'avais quasiment 200 balles. Là, il me reste 68. Allez, c'est ici. Eh, elle est... Mais... Bah, ta musique, vous voyez, le disque à l'intérieur a été retiré. C'est que c'est de s'affirmer. Mais non, mais... Pff, mais... Hein, il me manque un truc, c'est ça? Ah non, ah le boulet. Ah putain, il me manque un truc. Ah je sais pas où c'est. Ah le boulet. Ah attends. Mais t'as hein? Ok. Alors attends. Mais le boulet. Je suis un boulet. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une salle que je n'aurais pas vue, que je n'aurais pas fait, parce que c'était fermé par hasard? Là, non. Là, non. Le pont mécanique, c'est bon. Putain, mais j'ai quasiment tout fait, je sais même pas où il faut aller. À part les endroits où c'est fermé, mais... Attends. Là, il y a un étage. C'est centre de formation... Eh, mais je peux pas y aller. Pouah, mais je sais même pas où faut passer. Faut passer à l'extérieur, mais où à l'extérieur? C'est le seul endroit que j'ai pas fait, c'est là, c'est là que j'ai ouvert. Ah mais c'est pas la cour ça. Attends. On dirait la cour. C'est quand on passe... Ah mais c'est quand on passait par là. Mais du coup je peux plus y accéder. Pourquoi? Mais c'était un bout de zone. Oh la loose putain. Mais c'est pas possible, mais quelle belle... Des baffes, je me mettrai des baffes dans la tronche, quoi. Attends, par contre, il y a un sous-sol. Eh ouais, mais c'est fermé, c'est ça. Oh, punaise, je sais pas. Je sais pas où il est. Bon, les amis, on est coincé. On est coincé parce qu'en fait l'énigme c'est d'ouvrir l'autre boîte à musique, de mettre la musique là-dedans, je pense que ça nous permettra de
d'ouvrir le machin. Bon, c'est pas grave, j'ai éliminé les zombies à la place. Ah, la mousse, putain. Ah, c'est la merde, quoi. Ah, punaise, moi j'étais super content et tout. Putain, j'ai dit, ouais, chouette, elle a bien avancé. Et en fait, non, on est dans le clivage. Putain, c'est pas possible. Mais allez, mais... Est-ce qu'il veut le... Putain. Non, ta patinette, elle ne veut pas vous voir. C'est ta carte. Mais là, il n'y a vraiment rien. Attends. Je me rappelle même plus de la scène d'à côté. C'est bien, c'est la scène d'à côté que j'ai loupé un truc, mais ça m'étonne pas. On a l'air très... Attends, mais il y a un truc... Les armures... Ok. Ouais, je peux pas passer. Mais ok, c'est fait. Oh putain, mais c'est... Ah, je déteste cette jeu vidéo. Attends, c'est quoi ça? Putain. Quel bazar, ouais, c'est vachement... ah non, mais c'est chiant ça, putain. Il faut que je revienne à un endroit précis. Parce que j'ai oublié de prendre un objet. Et c'est la boulette. Ouais, c'est que l'objet précis, je ne sais pas où il est. J'ai une question. Ah non, 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 toi tu restes là. Toi tu restes là. Hein? Et toi aussi. Allez. Oh putain, faut que je te retraverse l'autre. Bon, dans le pire des cas, je vais pas retourner te regarder. Yes! Il est monté. What the fuck? Ah, mais il saute lui quand même. Oui. Putain, ils sont deux! Mais non! Mais je fais comment pour les esquiver? Putain! Je peux crier fort, y'a personne chez moi. Putain, mais ils sont deux, ces bâtards! Oh là là, mais comment je vais faire pour les esquiver après? Pour l'instant, ça va. Je suis ok. Je suis là. Je suis ok. Je suis mou là. Je suis ok. Putain, il manque un objet. C'est trop fier de moi, ça y est. C'est vrai, cool. Putain, et lui. Vite, vite, vite. Ouah, esquive. Après, je vois que là, c'est que c'est celle-là que j'ai pas pu accéder encore. Le problème, c'est que je sais même pas comment je vais faire pour accéder parce que tout s'est effondré donc. C'est chelou. C'est. C'est mou là. C'est un échec. Là, je sais pas. Là, honnêtement, pour trouver le scarabée rouge, je vais chier, je pense. C'est moi, j'étais con, j'aurais dû bien regarder. Ah, lâche-moi, toi. Ouais, mais... Attends. Je sais pas. J'ai peur qu'il faut que je revienne en arrière. Ah, les chiens, ils sont là. Cool. On va revenir là, on va retourner dans le coffre, on va prendre le dernier blason que j'ai. D'aller en bœuf, pourquoi le machin? Voir, je me laisse crever. Putain, c'est esquive! Qu'est-ce que je suis devenu bon en esquive de zombies? De toute façon, je suis regardé là, je suis con. Ouais, non, c'est pareil. Non, on va prendre ça, blason de lait, parce que ça peut toujours servir. Je sais que c'est devenu vert quand j'avais réussi à avoir
Ah, maintenant que j'ai. Attends, mais j'ai la carte aussi. J'ai une carte, c'est vrai. Putain, il faut que j'apprenne. Attends, ça peut peut-être servir. La carte peut peut-être servir à quelque chose. Je viens de me rappeler que j'avais une carte de sécurité. Peut-être que ça peut servir. Je sais pas. J'espère. Parce que sinon, je vois pas du tout ce que. Comment je peux faire. La carte. Passe contamine. On va voir. Peut-être que ça peut servir à quelque chose. Ah, franchement, si c'est ça, c'est moi, je suis vraiment très con. Parce que j'aurais pu y arriver. Depuis longtemps. Ah ouais, si franchement c'est ça, je suis vraiment con. Facile. J'ai dû perdre même plus de 10 minutes. Mais pour rien. Alors, Marc, ça fait tourner. Hein. Ça fera durer un peu plus les parties. Ce n'est déjà la cinquième partie, hein, quand même. Derrière, ça passe. Ça passe à une vitesse. Allez. Mais non, mais monte, descend. Putain. Ça a niqué les stats. Bordel. Ouais, j'ai niqué mon stat. J'ai réussi à ne pas me faire choper par les chiens. Merde. Désolé, si je baille, c'est pareil, c'est la fatigue. Hein, donc ne vous inquiétez pas, je suis debout depuis 6h30. J'ai 9h à travailler dans les pattes et je fais un live, c'est tout va bien. Putain. Quel trouilleur. Je suis ouvert. Je suis né ce week-end. Un lecteur de carte couleur argentée. 26h30 donc terminé. Semaine sur 20 après 26h. Putain, mais c'est. Pff. Et là, pourquoi ça se voit pas? Alléluia. J'ai trouvé. Allez. Non, on arrête de faire le con. Hein. Ah, putain, mais si c'est ça. C'est ça, je suis trop con. Putain, mais même là, il y a des chiens, mais t'es sérieux, ils étaient pas tout. Ils étaient pas avant, merde. C'est quelle porte? C'est celle-là. Mais non! Mais non! Mais pourquoi c'est en vert? Mais non, mais c'est arnaque! Ah, peut-être je peux ouvrir la porte. Mais c'est arnaque, c'est en vert! Oh putain! Bon, il n'est pas sorti de l'auberge encore. Là, non. Attends. T'as gagné du coup, peut-être qu'il y a un objet. Putain, j'ai fait au pif. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous avez pris passe en belle. Mais qu'ils aient. Mais. What? Un pass de sécurité indigo. Utilisé au centre d'entraînement militaire. Ah bah ça peut être le. Ah bah ça peut être qu'ici. D'accord. Bon. Alors la porte est fermée. Donc on va passer par là. Il y a qu'ici. Donc après c'est peut-être la porte en face. Tout en face. Être uniquement utilisé parce qu'on a mis le jeu. J'ai quand même dû faire de prendre ce putain de passe. Alors, c'est cette porte-là qui fermait. Mais je dois faire quoi? Thank you.
Mais ça me saoule. Je comprends rien, putain. Ah bah oui, c'est ouvert de l'autre côté maintenant. J'ai compris. Oh là là. Ça y est. Je crois que j'ai compris, ça y est. Voilà, du coup, il faut que je redescende. Tout va bien. Tout va bien. Je vais pas devenir fou à la fin. À la fin de ce jeu, je deviendrai les dingues. Tellement tu fais des salés retours, mais alors c'est magnifique. Putain, plus elle est chiant, bah. Laisse-moi passer, laisse-moi passer. Yes, putain, je suis passé. On va peut-être qu'on va s'allumer un peu. Hein. Après, on va attendre un peu. Il fallait savoir quand même qu'il y avait une carte d'accès cachée sur le truc. Putain, mais comment tu veux savoir ça, quoi? Et je l'ai posé au pif, hein, puis je me dis, je vais peut-être prendre l'emblème parce que ça peut me servir à quelque chose. Voilà, c'est une porte. Lui il m'a saoulé. Je n'ai pas envie de combattre. J'ai même pas envie. Moi bon, le truc, je fais voilà. Allez, vas-y, passe. Ah non, putain, j'ai loupé la porte, Ah putain. Ah, après, je suis mal, hein, sinon je vais tout me taper là. Alors, je me prends de tout, c'est génial. Ok, c'est là et là. Eh ben, non, c'est totalement pas là. Je sais très bien me repérer sur une carte. Voilà, je suis allé au bout de je voulais aller, je suis monté trop haut. Non, mais je sais bien me repérer sur une carte, c'est génial. Laissez-moi une carte, vous allez voir. Au lieu d'arriver à Paris, je vais arriver à Lyon en passant par Paris. Je suis sûr. Je passerai même devant Paris en me disant, c'est pas là. Putain, j'ai pas noté, c'est le premier étage que je monte. Ouais, c'est le premier étage. Vous êtes au rez-de-chaussée. Quel étage? Prends, madame, merci. Eh ben putain, heureusement que les portes d'ascenseur ne s'ouvrent pas comme ça maintenant. Ce serait long. Comment ça, droite? C'est là. Alléluia. Alléluia. On n'a pas fini encore. Oh putain, mais. Voilà pourquoi je veux allumer les lumières. Je déteste ça. Ah, attends. Eh, il y a une porte et tout. Si. Eh, je me trompe de touche. Ah, si, mais ça mène un. Non. Si, ça mène. Si, je peux l'ouvrir d'ailleurs. Ce sera plus simple. La porte est débrouillée. Ok. Mais alors, du coup, je suis venu faire quoi ici? L'albinois de description. Créature créée par l'instruction de virilité dans les gènes d'une salamandre. Putain, je vais dire. Caractéristique. Comme tous les amphibiens, le corps de évolue avec l'âge. L'albinoïde ne mesure que quelques centimètres à la naissance. On se demande, hein. Mais il peut atteindre la vite, il peut vite dépasser les 2 mètres. En fait, c'est la chose qui m'attend à la sortie, quoi. Sa vélocité et ses décharges électriques en font un ennemi redoutable, notamment dans l'eau. Chouette, j'arrive pas à me baigner avec. Hein. C'est tout. Attends, mais j'ai tout ça pour ça? Tu vas pas me dire que ça va me servir à rien, hein? Voilà, oui. Ça peut toujours servir. Enfin, quand je retrouve ma patate. Quand j'aurai une patate, je peux m'en servir des patates. Mais sans une patate. Voilà.
Putain, il y a une herbe, il y a une herbe, il y a une herbe, il y a deux herbes. C'est mon jour de chance. Le jour de gloire est arrivé. Par contre, j'ai pas trouvé encore une seule herbe rouge ni bleue. Elle n'avait pas existé dans ce jeu. Mais trop compliqué à les faire. Associé. Bah oui. Putain, mais je viens tout ça là pour ça. C'est une blague. Prendre soin d'infanterie. Mais ouais, mais ça me. Mais je comprends rien. Alerte de contamination dans le biolaboratoire. Utilisez moniteur de sécurité. Oui. Mais je piche que dalle. Putain, après il faut aller là, c'est ça. Et là il y a le tableau. Il n'y a rien de spécial, mais je vois le code. Putain, mais c'est de la merde. 1, 1, 2, 6. Voilà, c'est ça. D'accord. Attention de bien avant toi, est fini. 1, 2, 6. Ok. Ok, d'accord, j'ai compris. Putain, il fallait venir là. Mais c'est un bordel ce truc. Code de verrouillage de la porte activée. On se casse. On se casse. On se casse. J'ai peut-être des plantes, mais on va se casser. 1, 1, 2, 6. J'étais pas trompé de beaucoup quand même. Allez, les chiens, on les repasse. Il n'y en a plus qu'un, et l'autre il a brûlé. J'ai peur de lâcher la manette pour aller voir après mon dédo qui est à côté de moi. Tellement que je sais même pas ce qui va se passer derrière. Je sens la nuit qui commence à tomber sur moi. Il est encore un. Utiliser la souris. On n'a plus besoin d'y passer. Oui, je le jette. Je vais pas comme dans Resident Evil 2 et j'ai gardé tout. En double. Moi en trip. Il manque la. Ah putain. Il manque toujours un poignet. Ah, mais ça mène de l'autre côté donc ça s'en fout. 1, 1, 2, 6. J'allume. J'ai trois trouilles. J'ai trois trouilles. Allez! Entrée de code. Veuillez entrer le premier chiffre. 1. Veuillez entrer le second chiffre. 1. 2. 6. Yes! Je suis trop fort. Bon, est-ce que j'ai trouvé le scarabée rouge? C'est ce qui manque en fait, c'est le scarabée rouge. Des grenades. On est l'acide. Okay. Putain, mais genre plus de place. Si l'expérience devait se trouver dedans. Ouais, non, peut-être. Comment? Il est déjà mort. Non. Sans déconner. Mais alors là, j'aurais pas deviné tout seul. Ça a pas fonctionné, je ne peux pas l'ouvrir. Ouais, mais je suis sensif. Très bien utile, ok. D'accord, mais je suis censé. Bébé, oui, mais je suis censé faire quoi? Allô? Ouais, mais alors là. Attends, j'ai fait tout ça juste pour venir ici? Et le foutage de gueule, ça va? Tranquille? Mais je comprends rien. C'est détruit sans mémoire et tempo. Oui, et alors? Mais c'est. Mais je. Putain, oui, je sais qu'il est mort, c'est bon, j'ai compris.
Ah, une minute. Mais t'es sérieux? Bah, je comprends que dalle. Là, je te dis rien. Non, là, honnêtement, je pige que dalle. Là, je pige plus rien. Là, je suis totalement largué. Parce que du coup, j'ai tout ouvert. Donc. Peut-être là-bas. Je sais pas. Je sais. Alors là, honnêtement, je suis totalement largué. Parce qu'il y a tellement de portes, je sais même pas lesquelles il faut passer, lesquelles il faut ouvrir, lesquelles il faut faire machin. Alors même à l'aéroport, il y a une porte, je sais même pas pour ouvrir. Je sais même plus où il est l'aéroport. Ah si. Oui. Oh là là, mais c'est le bordel. Mais je comprends rien. C'est le pavois. Tout ça? Pour ça? Tout ça pour ça? J'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai dû louper un truc. Hier soir, il tire le vélo, intéressant ici. C'est pas possible, j'ai loupé quelque chose. Putain, ça me gonfle, ça me gave là, parce que j'ai loupé un truc, c'est obligé. C'est obligé, j'ai loupé quelque chose. Mais je sais qu'il est déjà mort, mais il n'y a pas un truc qui pourrait me donner un indice, je sais pas moi. Putain, c'est chiant. Alors peut-être qu'il faut que je regarde le tableau. Ah. Et je sors par où? Ça va continuer, je ne sais pas ouvrir. Super, je me fais profiter. Allez, mais avance, putain. Et bonsoir aux deux personnes qui viennent d'arriver, excusez-moi. Pourquoi ton temps est passé? Ah, faut peut-être juste descendre. Voilà. Je m'y attendais trop pas. Non, J'ai bien entouré de sang. Et... Et, mais c'est censé faire quoi? Je suis censé faire quoi avec ça? Je comprends rien. Je suis censé faire un truc avec ça? N'hésitez pas, si les personnes qui regardent la vidéo savent ce que je dois faire avec ça, n'hésitez pas à me le dire, parce que alors là, je suis largué. Je sais pas, faut peut-être que j'associe à quelque chose. Non. 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 Je sais pas. Je sais pas ce que je dois faire. Je sais pas.
Voilà, mais je suis... Voilà. Je n'ai pas la moindre idée de ce que je dois faire. Je suis honnête. Les gens, je sais pas, si vous, vous savez, si, y en a, si les deux qui regardent la vidéo savent ce que je dois faire, je serai le premier ravi. Mais là, pour l'instant, à part sortir de là, je vois pas du tout ce que je dois faire. Et que ce bruit qui m'a cassé les oreilles. Et je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut faire. Parce que j'ai pas le souvenir d'avoir vu un cadre quelque part. Alors attends. Là on est au passage. Donc là après il y a le manoir. Manoir, il y a une porte qui est fermée. Mais c'est pas là. C'est pas possible. Au premier étage, j'ai tout fait. Au rez-de-chaussée, j'ai quasiment tout fait. Manoir sous-sol. Hein. Cool. Mais j'ai fait aussi. Après là, je sais, là c'est fermé. Je sais pas pourquoi. Je vais essayer d'aller voir. Mais là, j'avoue que je me pige, mais. C'est une main fermée, je ne peux pas l'ouvrir. Ok. Mais je pige que dalle. Voilà, je suis totalement largué. J'avoue que je suis... Il faut aller en bas. Je foutais pas un petit peu de ma gueule par hasard. Hein? Ce jeu se fout de ma gueule. Ce jeu se fout de ma gueule. Maintenant je peux aller en bas. Alors, avant, je pouvais pas y aller. On va aller voir ça. Mais ce jeu se fout de ma gueule. Littéralement. Il me fait un gros doigt d'honneur. Oh putain, je vous jure, ce jeu, mais ce jeu... J'ai pas crevé, toi. Ah putain, je peux même pas mourir, il y a un chien qui est arrivé. Il va me sauter dessus. Ah, c'est arrivé. Alors, c'est un labyrinthe. Ce jeu est un labyrinthe. Je vous le dis, j'en suis sûr. Ce jeu est un putain de labyrinthe. Mais vas-y, il n'y avait pas de zombies avant, putain. Ah, putain, c'était safe. Allez, vas-y, viens. C'est sous-sol. C'est bien, c'est pas comme dans la vraie vie, t'es pas obligé d'attendre que l'ascenseur arrive à l'étage pour que tu puisses monter. Il est déjà à l'étage du dessus. Là, l'ascenseur te suit. C'est les 5 de premier étage, on monte au premier étage, c'est les 5 de rez-de-chaussée là. Okay. C'est 5 que t'es en bas, il va aller en bas. Je suis en train de me désespérer totalement. C'est pas du tout flippant. Alors, d'accord, je vais prendre la porte. Ah ben oui, j'ai la carte. C'est vrai, je suis bête. Hop, putain. Bah oui, mais la toute vérité. Arnaque. Oui, je peux l'ouvrir, de l'autre côté. Je suis pas du bon côté.
pas de place. Attends. Putain. C'est la lance patate. Je vais le prendre, le lance-patate, parce qu'il me le faut. Oui, un lance-patate. Yes. Pas yes. Pas yes. Pas yes. Ah putain, ouais, du coup, j'ai pas de place. Parce que ce patate, tu vas me prendre un moyen facile de... Ah, punaise. Attends, est-ce qu'il n'y a pas... Ah, le bordel. Et toi, il va me prendre deux carrés. Ah, ah non, le lance patate, il est rentré. Cool. Ah moi je lance patate avec c'est avec eux. Radiata la belle. Ah avec eux je lance patate hein. Mais vas-y lâche-moi. Cassé, ok. Il y a une porte par là. Elle est là. Putain, ce jeu. Chouette. Automatique est fermé. Et là, mais en une. Mais je pige que dalle. Bon. Je pige rien. Je comprends rien ce qu'il faut faire. Là, je l'avoue, je commence à paniquer parce que je pige que dalle. Là c'est les carreaux, ok. Le panneau électrique, c'est fermé, je ne peux pas l'utiliser. Putain. Est-ce qu'il y a un putain de truc qui peut me servir là-dedans, bordel? Là c'est là où je viens. Attends. Ah c'est peut-être à l'ascenseur. Il n'y a pas de courant, ça ne marche pas. Donc il faut que je remette le courant. Le téléphone est cassé. Et bien on va essayer d'après. Putain, mais... C'est casse. Hein, peut-être qu'en passant de l'autre côté, peut-être. Attendez.
pas, j'ai peut-être une bêtise après. C'est... Ça... Hein? Là. Je sais pas, j'essaye. Le problème, c'est que tu fais 36 000 salles dans le jeu, tu te rappelles même plus lesquelles t'es, par où t'es passé, par où il faut aller. Ouais, bah, ça sert à rien. Putain, alors c'est au-dessus. Oh. Tout va bien, non, c'est, je vais bien, tout va bien. Mais c'est tout me plaît. Non, je peux encore aller. Oh putain, j'aurais pas eu. Allez hop. Mais lâchez-moi, bordel. Entretien pour les armes. Il y a une pièce de pistolet sur le bureau. Ça peut être utilisable. Je viens là pour ça. En plus, ça me donne 15 balles. C'est vrai qu'un extérieur simple. Oui. Non mais là ça commence à me pomper l'air, ça je comprends rien. Le mieux c'est la physique, il n'y a rien de bien intéressant. Mais je m'en fous, je veux savoir ce qu'il y a marqué, putain. Ah non, là c'est lourd. Là c'est lourd parce que je comprends rien et j'ai fait toutes les salles que j'avais. Là ça sert à rien parce que là c'est mort. Parce que là j'en viens, je l'ai fait. Non mais après je vois pas. Alors vous savez quoi? On va aller voir notre ami internet. Parce que là, là j'ai fait pas mal de choses en une heure et je comprends pas ce qu'il faut que je dois faire. Donc il n'y a pas 36 000 solutions, je pense qu'il y en a qu'une seule. Aller éliminer le gros monstre vert de terre. Alors, on va aller d'abord regarder. Ouais, juste attendez, je profite pour regarder un peu les jeux qui vont être offerts pour moi, pour le mois prochain. Pour aussi. C'est pas pour moi. Alors peut-être je le prendrai parce que c'est Sniper Elite 4 qui est en promo sur qui sera gratuit.
Et voit pas où t'es Omega, mais c'est une voiture, mais c'est pas. Ouais, c'est pas. Ah non, là, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est pas mon mois, le mois d'août. Ah. Putain, je suis en vacances en plus, merde. Les mecs, t'aurais pu sortir un beau jeu pour les vacances. Resident Evil Code 0 Mika. Et mettre Resident Evil 2, super. Tout va bien. Alors, on prend celui-là. Ah, putain, que ça rame. Ça y est. C'est long. Ah, c'est long pour afficher ces publicités. Bon, ah, c'est bon. Ok, voilà, attendant. On va sortir. Putain, elle est où là? Elle est là. Elle est où la sortie? Elle est là. Eh, t'étais là. Yes, j'ai une solution. Je sais pas quelle partie c'est, je sais pas où j'en suis dans le jeu, mais c'est tout va bien, j'ai la solution. J'ai les solutions. J'ai les solutions, les mecs, j'ai les solutions, c'est bon. Ah, parce que moi je piche que dalle là. A mon avis, il faut que j'ai éliminé le gros ver de terre. Alors, attends. Ça j'ai fait. Bon, tout ça j'ai fait. Parce que le code, tout ça, ça me parle. Donc, c'est pas la partie 1. Il y en a qui passent par là et qui savent où aller, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ah, ça j'ai fait. D'accord. Ouais, ça j'ai fait. Ça j'ai fait. Ok, yeah, hein. Oh là là, je pisse que dalle. Ça j'ai fait. Le truc de la guillotine, je l'ai fait. Ça aussi. Ça aussi je l'ai fait la partition. Bon, en fin de compte, je ne suis plus très très loin de la fin quoi.
Hein? Attends, retournez à l'intérieur et placez la partition. Maintenant, prenez les fourmis bleues, puis retournez à la résidence. Tuez les zombies sur la route, puis allez dans la chambre d'Alfred. Placez les fourmis sur le coffre, puis retournez dans la cour militaire. Ah, la cour militaire. Comme ça, j'ai fait. Ok, c'est rien. Ça, je l'ai fait aussi. Attends. Sortez la porte avancée, je crois. Prenez la porte à droite. Là, ça la carte. Montez les escaliers, utilisez le code. Oui. Allez ensuite dans le garage. Ah putain, c'est dans le garage qu'il faut que j'aille, d'accord. D'accord, d'accord, dans le garage. Putain, c'est où le garage? Allez dans le garage par la porte métallique. Puis prenez la porte droite et placez le dessin sur le mur en face de la peinture. Ah, ok, d'accord. Ok. Ouais, ça y est, je vois aussi. Toi, putain, je vais mourir. Je vais mourir alors que j'ai tout fait en fait. J'ai tout bien fait, c'est ça le truc. Ah ouais, je me disais, il manquait quelque chose. Mais ouais, c'est là. Putain, attends. Je me suis trompé de côté, c'est génial. Ouais, tant pis, c'est pas grave. On va les éliminer parce qu'ils m'ont saoulé. D'accord, c'est bon, j'ai compris où c'était. Ouais, j'ai une petite mémoire pour me rappeler ce que je viens de faire. Abusé, je me souviens. Putain, plus j'y étais, je suis passé à côté. Tu crois ça? Eh oui, putain, j'avais oublié. Oh là là, merci. Insolice. J'avais. Mais c'est bon, j'ai compris. J'avais complètement zappé. Ah ouais, je me rappelais plus de cette salle. C'est doré. Il y a une documentation, il est écrit une garçon du centre d'entraînement. Il défend Alfred Ashford. Dès que c'est une copie de cet endroit, il y a un trou pour enfoncer quelque chose. Bon, j'ai tout tenté. Une clé dorée gravée, les armoiries de la famille Ashford. Ok, bon. Regarde là. Du coup, si je me trompe pas, je me regarde sur la carte, mais c'est faut aller à la résidence. Ouais. Ben maintenant je vais sauvegarder parce que là, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps là qu'on n'a pas. Pourquoi je suis là?
plus. Je peux plus, ça y est. Mais je sais. C'est là qu'il faut aller. Donc ça fait quand même plus d'une heure que je n'ai pas sauvegardé. Je me dis, non, je ne vais pas sauvegarder, je ne vais pas me sortir maintenant. J'ai pas avancé. Ou très peu. L'idéal ce serait de sauvegarder parce que. Non, non, j'ai foiré. Putain. Ah, mais comment j'ai foiré le truc? Parce que dans 10 minutes, ça sera la pause. Petite pause, cette pause. Non, 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 j'ai réussi à l'esquiver plusieurs fois, c'est bon. Putain, mais. Non, ah, enculé. Le bâtard. Putain. Faut juste regarder. Là c'est plus possible. J'ai même fait des frayeurs. Mais immondes. Elles sont immondes ces frayeurs. Putain, je vais mourir. Je jure que je meurs dans le jeu, je meurs en vrai. Je me rappelle plus ce que j'ai fait. Je me rappelle plus moi. Mais moi de poisson rouge aussi. C'est bon. Non, c'est pas bon. Putain, monte. Je vais mourir. Mais moi aussi pour de vrai. Attends. Attends qu'il s'approche parce que je dois le tuer. Mais il monte l'escalier, ce bâtard. Putain, je suis mal au point. Je suis mal au point. Je suis mal au point là. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. La merde. Ah, je suis dans la merde. Là, je suis dans le gros caca. J'ai de sauvegarder. Ah, putain, je suis dans la mouise. Alors, un peu de... Mais... Attends. Tac. Voilà, pam. Putain. Ah là là, mais je suis dans le caca. Putain. Et j'ai pas avancé, bordel. Ah, mais je suis dans la merde, en fait. Je suis, mais dans la merde noire. Attention, à 5 minutes, je fais une petite pause parce que je vais fermer tous les volets quand même. Je vais continuer. Allez. Ah là là. Quelle merde. Ça va, encore un ou deux coups, je suis mort, je sais même pas ce qui m'attend derrière. J'ai reposé les... Ah non, je suis parti avec, bien sûr. Je pars avec, moi. Moi, c'est ça. Hein. Tout le monde sait qu'il faut partir avec les deux encreurs. Si jamais. J'en ai marre. Du coup, on va les laisser là, au moins comme ça. Je prends pas un lance-patate. Ça mettra de
de gaspiller des munitions de race patate pour rien. Pour l'instant, pas de boss. Hein. Encore, je tiens à le signaler, j'ai pas battu de boss. C'est où je suis loué. Ou alors, c'est que les autres dire, on va pas mettre de boss dans ce jeu. Ou alors, si, peut-être le vert était un boss, mais en fait, j'ai pu l'esquiver, quoi. Ce qui est totalement bon. Mais... Je marche aussi lentement quand même, les zombies. Voilà. Ouais, tu mets... Putain, tout ça? Tout ça pour une putain de porte? Tout ça pour une putain de porte? Ben merde alors. Ah, tu vas en mettre d'autres, hein. Je serais pas galéré pendant une heure à trouver cette putain de clé, quoi. Alors, putain. Un homme roux tient une tasse de thé. Il y a un bouton passé dessous. Appuyez sur le bouton. Ok. Au nouveau maître de famille. Monsieur Alfred, votre nouvelle position au chef de famille Ashford m'emplit de joie. Permettez-moi de vous offrir ce présent selon la tradition en vigueur dans ma famille. Ma famille. Vous savez, cette tradition remonte à l'époque où un majordome offrit une tasse en or en l'honneur de Véronica. L'intelligence et la beauté de votre illustre ancêtre restent légendaires. Stanley, puis son fils Thomas, ses deux successeurs reçurent un présent identique. Il était symbole de leur volonté à atteindre un niveau de renommée égal à celui de Véronica. Sir Arthur, frère jumeau de Sir Thomas, prit sa succession, putain. Vint ensuite le tour de Sir Edward, votre grand-père. Cette passation de pouvoir correspond à l'âge d'or de la famille Ashford. Sir Edward fonda cette grande multinationale de la chimie Umbrella. Hein? C'est à lui qu'on doit toutes les emmerdes? Qui fait toujours la fierté de la famille, bien sûr. Le déclin de la famille coïncida avec l'arrivée au pouvoir de votre père, Sir Alexander, à la mort de Sir Edward. J'espère sincèrement que vous saurez redonner ces lettres de noblesse au nom des Ashford et que mon présent vous rappellera chaque jour votre mission. Scott Armand, bonjour, ma famille Ashford. Dérangez au nouveau maître. C'est le même enfant que dans le film. Il y a un message sur la photo. Perpétue l'héritage de Ashford, révèle le vrai maître. Il y a un bouton passé dessus. Ok, oui. Yep. Ceci essayera tous les boutons d'activation. La pièce. C'est bon. Pas compris. J'ai pas compris. Il y a une énigme. Ah punaise, je déteste. Une vieille jeune femme. Si une femme tient une tasse de thé. Non. Oui. J'en sais rien. Et je sais même pas ce qu'il faut faire. Entraîne le mot. On va appuyer tout sur tous les boutons parce que. C'est une énigme, messieurs dames. Ah, attends, c'est quoi ça? J'en sais rien. Ok. C'est un portrait d'homme. Un vase en terre cuite est également représenté. Il y a un bouton passé dessus. Je pense qu'on va se servir de la solution, les amis. J'ai fait au pif. Attends, il y a un truc marqué là. Pardon. Les bougies d'un blanc virginal. Souvent dessus. En mémoire, la descendance d'Alexander. Oh. Attends, on va appuyer sur le bouton. Pardon, c'est pas ça.
Thomas Dietry. Bon, alors, on va se laisser là pour cette première partie de cette soirée. Ça, il va y avoir une deuxième d'ici une dizaine de minutes. On va appuyer sur le bouton. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Faites-vous plaisir. Venez voir toutes nos autres vidéos sur notre chaîne Match City, sur notre chaîne YouTube. Faites-vous plaisir. Prenez soin de vous. Et quant à moi, je vous dis à tout à l'heure pour la suite des aventures de Claire Redfield au pays des manoirs perdus. Allez, tchuss et à vous les studios. Bye.